succession, attention, hein, derrière à Quimper qui a un temps mort encore. Mais est-ce que Parker, ou est-ce que Hugo, a enflammé tout ça? And it's the coaches too. Yeah. It's the assistant coaches, the people behind the scenes, the kind of wearing the blue, jumps things up for Team Weaver, and no score early on. Gillespie trying to be the facilitator. Kick out, jump shot, knockdown. That's Hugo Besson, shooting guard out of France. Corey, what do we know about him? We don't know much, but we know he's aggressive. And when you consider the fact that he will attack the basket, we saw him try to dunk on someone on. Meilleur marqueur de Pro B à seulement 20 ans et tu vas te présenter à la prochaine Draft NBA. L'un des prospects les plus sous-cotés de la draft selon les Américains, c'est un Français, c'est Hugo Besson. Vous pensez qu'Hugo fera carrière dans la Grande Ligue ? Pas mal de chances d'être drafté et de se faire une carrière en NBA. And welcome to the 2022 NBA Draft at Barclays Center. Bon, c'est le début de la vidéo. It's the day we dream it the most, bro. On l'attendait ce jour-là. Yeah. Minuit 29, on se lève à 4h. Personne ne dort. Demain, on va à New York pour la draft. On va rejoindre Hugo, il nous rejoint à New York un peu plus tard. Le but, vlogger la semaine et en particulier la draft. Tout ce qu'on fait, comment ça se passe, l'avant, l'après-draft. On va vous faire rêver. Voilà. Comme nous, on a rêvé. Pas mal. pas mal. On va présenter les personnages du vlog au cas où. Les gens principal, AK2R, Miss Gasser, ajoutez-moi sur Insta. Sacha Piras. Toujours le même. Les gens ne te connaissent pas là, on te présente. 1m20, 32 kilos. Allez, on va dormir dans les couchettes et on vous dit à demain. Je sais rien ça. C'est parti. Here we go. Bon, ce gars. On vient de passer les portiques. On est avec les Sgegos. C'est toi le seul Sgeg qui s'est pris contre l'aléatoire et son DO il passe pas. Et du coup là on part pour Amsterdam. Après de Amsterdam on ira à Boston. Et de Boston à New York. Donc plus qu'à attendre l'embarquement pour Amsterdam. Et on est parti pour combien d'heures de voyage en tout ? 7. 17 heures de voyage. Ouais. T'es un peu trop à l'aise, toi. Hein. Et on est parti pour Boston. À Boston. On est à Boston, l'avion pour aller à Boston, il a eu 2 heures de retard au départ. Et du coup, on a 2h30 de retard. Du coup, on a raté l'avion pour aller à New York à Boston. Mais c'est la merde puisque cette compagnie, elle nous aide pas là. Bref. Du coup, là, on fait la queue et on doit reprendre un avion pour aller à New York. Dans le taxi. Oula. Ouais. Et normalement Hugo devrait arriver à peu près en même temps que nous. De base c'était on devait bien arriver avant lui au final. On devait arriver 5 heures avant lui. De base on devait arriver 5 heures avant lui, au final il va arriver avant nous. Alors Sacha, qu'est-ce que tu dis là? Putain les gars on vous voit qu'est-ce pas. Qu'est-ce que tu dis là Sacha? Donc là on est en plein Brooklyn si j'ai bien compris. Les petites maisons. States.
pas demandé de me toucher l'épaule. Bon, au final, on s'était trompé de porte. C'était la porte de gauche. Oui, putain, il fait loin toutes les conneries. Mais gros, il a galéré aussi. Putain, c'est pas trop tôt. Prenez les affaires. Ah, là, on vient d'arriver à New York avec les fratés. Sacha va vraiment super bien. J'emmerde tout le monde actuellement. Et on va aller sur Times Square. Il y a 3 minutes d'attente. Bon, allez, c'est parti pour Times Square. On est à New York. Il est quelle heure? C'est pas important. C'est pas important, on est parti pour Times Square. Debout. J'étais déjà réveillé, haha. Aïe, mal au cul. Bon, on fait quoi ce matin? Bon, c'est mieux qu'on fasse un bon petit brunch, tu te rends là quelque part, on fait un brunch. Bon, on est à Brooklyn, on prend le métro et on va déjeuner, si j'ai bien compris, à Manhattan. Vous êtes fatigué ou pas vous? Ah, pas du tout. Ça change le temps. Bah, j'ai la dalle là. J'ai vu qu'on t'avait volé, Luc. T'es en train de vlog, eh? On assiste à un cours de yoga. Fin de la journée où on n'a pas eu grand chose. Demain, J-1 avant la draft. Demain, c'est veille de la draft. Et aujourd'hui, un peu tourisme, on a un peu découvert New York. Demain, c'est quoi le programme? Demain, essayage de costumes, coiffeur, rendez-vous pour un magazine, repas le soir. Et puis après, c'est parti, hein. Donc on se dit à demain. Ciao. Refais, c'est nul. Enfin, refais plus vite le geste. Ah. Juste le geste? Ouais, juste le geste, s'il te plaît. Alors, reste ta main. Normalement, c'est bon. Et refais une dernière fois au cas où. Faites de la musique avant d'eux. League of Legends, ça. Ouh. On doit y aller quand? C'est doux, ça. Tu as bien dormi, Nia? Oh les gars, ça c'est la coulance. Les gars, ça c'est la coulance. Bon bah, première étape, on va prendre l'hôtel pour toi. C'est ça. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la poubelle, elle est où? C'est le sac plastique à droite. Mm.
frère, il est où le reste de la meuf? C'est chaleureux. Allez, ça part. 300 mètres, une minute. Ça part. On va se voir. Mais oui, oui. Donc là, comme on a dit juste avant qu'on se mette des gifles avec des tortillas, on va à l'hôtel Hugo. Pour résumer, à peu près ici c'est 100 balles la nuit, là-bas c'est 800. It's not for us. We're just renting, so it's not for us. Yeah. Salut tout le monde. Du monde où c'est? Salut. Allez, on ira avec lui. Oui, mais du monde lui, après. Salut. Putain, on est encore en Times Square. On s'est arrêté le marché parce que Sacha a quelque chose d'important à vous dire. Donnez-leur de la force, allez suivre VBH. Donnez-leur de la force, on n'est plus en 2021. Pardon, s'il te plaît. Excusez-moi. Allez les aider à gagner un peu d'argent. On parle en plus des mendiants. Je vous conseille d'aller les suivre, c'est vraiment qualitatif et leurs montages sont excellents et c'est vachement drôle, on s'amuse grave. Ah non, tu peux arrêter de parler. Critique, mais tu. On va faire Rally Snap. Let's go. Coucou Jade. C'est pas mal. Oh, c'est un canapé, donc vous pourrez dormir seul. Bah ouais, en vrai, ouais, moi j'ai une chambre pour être tout seul. Tiens. Waouh. Damn. Ah merde. Qu'est-ce qui marche pas? Le truc que j'ai acheté hier. La prise. Donc je suis un gros pigeon. Oh, rien, non. Un pigeon. J'ai l'impression que tu te maries, chaton. Moi je préfère ça que te marier. Oh là là, mais c'est. Oh, stylé. Une chaussette, ça va pas aller, hein. Non, pousse-toi, Sacha, parce qu'il y a un miroir en fait. Je te regarde pas, toi. Ah, Fonds de demi, le H de Herbert. Je dis qu'on est bien là. Ah non, on est bien là. On est bien là. Là, on pourrait aller voir un petit coup. Le celui-là est pas mal aussi. Celui-là est bon. Avec la ceinture aussi. Ça, attends, je vais essayer attendre, là. Hein. Ceinture marron, ou tout. Marron. Bon bah c'est parti pour le Slam Magazine, c'est ça? On en prend deux, c'est pas grave. La ultima est la 7. C'est pas que? C'est incroyable. Hein. So you want to tell us who you are in the vlog? Who am I? Yeah. Oh, I'm a member of ComSports Sports Agency. I work for the man Buna Injai himself. I take care of all these players. Whatever Hugo needs, I help him get. You know, so okay, thank you. Yeah, gotcha. Yeah, the cloud at the top of the. Yeah, that's crazy. That's crazy, yeah. Do you think it's his desk, man, or living apartments? I have no idea. It'd be very expensive to live there, though. Ah, I imagine. Oh, I think we're in here. Hugo? Hugo? Profite de la nourriture gratuite. Ça a été? Ça a été, c'était sympa, c'était cette interview, petit cadeau, petit repas, petit... pas petit, non. Say casse les couilles. Casse les couilles. Thank you. Les couilles. Là on est dans le vrai monde. Mais du quoi? Là on est dans le vrai monde. I mean, they do a lot of like NBA, Louis Vuitton collabs and stuff, right? We used to. Okay. And then they stopped. It looks nice. I mean, the checkers are pretty dope. Et le résultat,
Voilà. Le résultat est pas mal. Beau gosse. Ouais, beau gosse, hein. Beau gosse. Tourne-toi là. Je mets ma cravate ou pas? Non. Pas. Non, c'est bien. Tourne-toi là. C'est stylé, hein. Vous comprenez, on doit du comprendre, oui. Et on retourne à l'hôtel. Bon, on vient de rentrer. Ça va, c'est sympa. Sur plein Central Park. Ouais. Oh, vous avez vu les buildings qui étaient dans les nuages? Ouais, on a fait des buildings. On revient du coiffeur de chez Hugo. On a fait tout. Vous avez vu les buildings qui étaient là-bas dans les nuages? Bon bah dans 20 minutes, on va manger. On va manger, à 20h10. Hé, à moi tu me parles pas. Hé, le football il a changé. Alors ce que je sais, le football il a changé. Ce que je sais, c'est que ça... Oh, putain, ah attends, c'est peut-être comme ça là. Ouais, c'est un collier. Ah mais après tu dois, non, tu dois faire un... Ça commence comme ça. Après tu fais un nœud spécial. Ce qu'elle va perdre quand elle va s'enrouler dans le matelas. Ce soir, nous allons manger à volonté. Ça va être bon. J'ai été bon. Bah, il peut dire. Un mec qui joue avec lui. Un mot à dire. Tout va bien. Les notes. De la veille de la draft NBA de ce monsieur. Là, ce soir, on n'a pas dormi à Brooklyn. On a pris la chambre d'Hugo, vu qu'il y avait la place de dormir avec lui. On est... Demain, c'est le jour J pour ce monsieur. Il vient de le dire, non. Et ça va être incroyable, et puis voilà. Hugo, tu te sens comment, là? Demain, c'est la draft. Ouais. Je pense que je vais faire des petites parties Clash Royale, là. Ouais. Et puis après, après on va se préparer mentalement, et puis voilà, ça va être stylé, hein. Ça, on va profiter, hein. Surtout ça, hein, je pense, hein, on va profiter, tranquille. À tous, wake up. On vient de se lever. Oh, pas tous apparemment. Ah. Bonjour. Bonjour. Et ça parle déjà à la télé de ce qui va se passer ce soir. C'est toi qui parle. On est là, là, on est dans les bâtiments là-bas, là. Room service. J'ai renversé du truc. Ça a l'air bien bon. Non, c'est vrai? Non, ça va, ça va. Je suis bien mouillé quand même. Et voilà. Tu vas dans un parc pour voir des écureuils, tu vois des rats et des pigeons. Ah, mais on en a vu. Non, on... Arrête! On en a vu beaucoup des écureuils. Non, là, c'est mal tombé. Non, il est 13h, quoi. On a dit qu'on revenait. Da-da-dam. Et ensuite. Da-da-dam. Stylé de ouf. Oh, il y a les cops. Bah, on a pris le métro, on arrive au Airbnb, on va se caler un peu là-bas, préparer nos affaires. Et on retourne à l'hôtel d'Hugo une fois qu'on est prêt, puis voilà. Là, on vient de se préparer, tout prêt, on va aller à quelle heure? Il est 15h30, on mange vers 16h. Et après...
C'est parti, hein. On est bien en Lamborghini. Dans la limousine. Coupé, on recommence. On est bien dans la limousine. C'est incroyable. Pour la fois dans une limousine. Terminé, là maintenant on se dirige vers le Barclays Center. En plein repassage. Le repassage des vêtements. Voilà. On n'a jamais repassé de notre. Les femmes. C'est bon là, oh là là, ça va pas se voir ça. Bon, on commence à tous être prêts. Faut pas qu'on tarde, donc on va partir de l'hôtel. Ah t'es bégé aussi. Voilà, un peu gauche. Ouais. Ça refait. Casser les couilles, mon bretzel. Et Hugo, ses parents, Jad et ses agents sont là. Je mettrai des flèches. Ils doivent rester entre famille et agents. Et nous, on est là. On est méga bien placés. C'est incroyable les places qu'on a eues, enfin, qu'ils nous ont données. Et voilà. And welcome to the 2022 NBA Draft at Barclays Center. Pick in the 2022 NBA Draft. The Orlando Magic select. Paolo the second pick in the 2022 NBA Draft. The Oklahoma City Thunder select Chet Holmgren. With the third pick in the 2022 Draft, the Houston Rockets select Jabari Smith Jr. The 11th pick in the 2022 NBA Draft. The New York Knicks select Usman Jang. With the 18th pick, with the 22nd pick, with the 25th pick, and with the 27th pick. With the 32nd pick, with the 37th pick, with the 45th pick, with the 51st pick. With the 58th pick in the 2022 NBA Draft, the Indiana Pacers select Hugo Besson from Bordeaux, France. Hugo Besson in the French LNB Pro B League.
Let's go. Oh, le stress de ouf. But we do need a smile. That is the rule. It's an obligation. Yes, exactly. I'm telling you, smile. I know it's late. Pointing to the ball. Great. One big family. Arms, yep. Yeah. And right here. Bon, c'était une bonne soirée. Stressante, mais très bonne soirée. Le début c'était cool. Après le stress est monté de ouf. Oui, on a beaucoup, stressé. Parce qu'on s'est dit qu'il aurait pu être premier tour déjà quand on a vu les pics. On a vu qu'entre 30 et 40, il y avait pas mal de choix où il pouvait être. Donc, il n'a pas été. Donc, on s'est un peu chié dessus. Après, 40-45, il n'y avait qu'un seul, mais c'était pas une bonne équipe. Parce que, ils n'allaient pas le prendre parce que ça avait déjà beaucoup d'extérieur. En gros, on s'est chié dessus jusqu'au bout, il a été plein derrière. Oui, bon, on va te faire foutre, je suis en train de faire un résumé de fou et toi, tu. Mais tu le feras plus tard, tu parles doucement, on n'entend rien. Frère. Et après, du coup, il a été plein dernier parce que les Bucks le voulaient vraiment. Donc, ils ont demandé aux Pacers de faire un trade et ils l'ont trade pour la dernière place. Super. Alors, ça, t'as séché tes larmes? Oui. Bon, bah, enfin rentrer. Après combien d'heures? 5 heures? 4 heures et demie? Comme ça? Oh, t'as cru que t'étais le point? Tu vas te calmer parce que tu viens de drafté en NBA. C'est vrai. Donc, t'arrêtes de souffler, s'il te plaît? Après. Un ressenti, raconte-nous. Vas-y, parle. Bah. Comment dire, rien ne s'est passé comme prévu, on peut dire. Il y a eu des choix, des moments, du coup ça a tout un peu chamboulé. Donc après il y a des gars qui passent avant les autres, qui ne devaient pas et tout ça. Donc après, tout ça se passe et là t'es là, t'attends. Ah donc c'est bien, c'est les choix du début qui ont tout chamboulé toute la suite. Ceux du début, ceux du premier choix déjà. Ouais, le premier choix a chamboulé ça, draft. Un peu tout en vrai. Et après, t'attends. Ouais, que pour rappeler, t'étais prévu. Moi, je t'ai vu fin premier, début deuxième. Fin deuxième, finalement. Fin de la draft. Voilà. Voilà. Après, il y avait encore le troisième, mais bon. Ouais. On restait au Indiana Pacers, c'est dans la foulée envoyé au Milwaukee Bucks. Donc là, le next step, c'est Summer League avec Milwaukee? Ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais en gros, faut que tu taffes en Summer League pour décrocher des bons contrats, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui est encore charbonné. On s'arrête jamais. C'est ça, exactement. Mais j'ai une belle cravate, donc c'est l'essentiel. C'est vrai que ils ont changé de musique et tout. Bandol. Oh, il aime pas BLF, frère. J'ai pas entendu Bandol, frère. Il est vraiment du Bandol. C'est quoi c'est bien stylé, hein. Putain. Frère, j'ai tapé Hugo Besson sur Twitter, tout le monde disait qu'est-ce qu'il fout, Hugo Besson, pourquoi il est toujours pas drafté. Ah là là, bon, on vient rentrer à l'hôtel. On est tous KO. Je sais pas là comment ça se passait la suite du vol, du tout. Je sais pas, donc vous verrez bien si on fait des trucs demain, comment ça se passe, s'il y a des trucs après la draft, s'il y a vlogger et tout, je le ferai. Et voilà, là on va se reposer parce que, est-ce qu'on est KO? Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette aventure j'ai envie de dire, j'espère qu'elle vous aura plu. On est arrivé à la conclusion qu'on voulait, même s'il y a eu pas mal de péripéties. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, abonnez-vous à Instagram aussi, c'est important. Et puis on se retrouve dans de nouvelles aventures très bientôt. Ciao.
Dernière petite chose avant que la vidéo se finisse. À l'occasion de la vidéo, on vous fait gagner le ballon que Hugo a reçu dans la boutique Wilson. Donc c'est un ballon officiel de la NBA. On va le dédicacer, on va le signer tous les deux. Pour gagner le ballon, tout se passe sur Insta. Donc vous allez sur l'Insta de VBH. Vous vous rendez sous le dernier post. Pour participer, il suffit d'être abonné au Insta de VBH, liker la publication et commenter en mettant le nom de trois potes, en mentionnant trois potes sous la publication. Puis on prendra au hasard parmi tous les participants un gars qui en offrira le ballon et je crois qu'il y a un t-shirt des Bucks aussi. Le ballon et un t-shirt des Bucks. Et puis voilà, on s'est dit que c'était sympathique de faire un petit concours, c'est la première fois qu'on le fait sur Insta. Donc allez-y, profitez-en, on n'est pas non plus 100 000 sur Instagram, donc il y a des chances de gagner le ballon. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu et on se voit dans la prochaine vidéo.